Nous sommes à l'ère des infrastructures physiques décentralisées. On veut carrément tout décentraliser, je dis bien tout décentraliser. Et dans cette quête de décentralisation, on peut vraiment se poser la question de savoir est-ce que la décentralisation est la solution qu'il faut pour tous les problèmes? Aujourd'hui, on parle de décentraliser Internet, on parle de décentraliser que ce soit les réseaux sociaux, le cloud, que ce soit les différents services tels que la location des GPU pour faire des calculs avec l'intelligence artificielle qui demande de plus en plus de ressources. On est en train de parler de décentralisation pour presque tout. Mais la grosse question persiste. Est-ce qu'on peut réellement tout décentraliser? Est-ce qu'on devrait réellement tout décentraliser? Je vais un peu choquer certaines personnes dans cette vidéo, bien évidemment. Je ne suis pas là pour plaire à certains ou bien plaire à d'autres. Je suis là pour donner mon analyse. Je suis là pour dire ce que je pense. Je suis là pour essayer d'analyser ce qui se passe, de voir un peu plus loin et de tirer un certain nombre de conclusions. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, bien évidemment, c'est lié à la crypto-monnaie parce qu'on parle d'un secteur très, très en vogue dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui, qui est comme ça les DePIN. DePIN, Decentralized Physical Infrastructure, c'est un secteur qui a explosé ou qui va exploser peut-être pendant le prochain bull run. Il faudrait donc encore se poser des questions. Qu'est-ce qui ferait en sorte que ce secteur explose? Est-ce qu'on est forcément en train d'aller dans la bonne direction? Pour répondre à cette question, nous allons un peu essayer de poser les jalons de la décentralisation sur quelques exemples. Et on peut se poser la question sur ces exemples-là, si effectivement la décentralisation est la solution. Je vais prendre des exemples qui peuvent marcher très bien et des exemples qui peuvent ne pas marcher. Et on va tirer ensemble une certaine conclusion et je vais donner mon analyse, bien évidemment. Donc, prenons le cloud. Le Google Cloud, le cloud par exemple, c'est un endroit où des gens vont uploader leurs fichiers, vont mettre leurs fichiers à disposition dans l'optique de sauver de l'espace chez eux. Donc, ils ont peut-être un ordinateur, ils ne veulent pas avoir des terras d'ordinateurs chez eux. Ils vont donc envoyer ces données-là sur Internet. Ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet de rendre déjà les données disponibles, accessibles à tout moment. Où est-ce que tu, où tu vas, que ce soit avec ton ordinateur, que ce soit avec ton téléphone, tu peux accéder à cette information, peu importe la localisation. C'est quelque chose qui est déjà assez intéressant et ça permet effectivement un travail collaboratif. Plusieurs personnes peuvent partager ces données, travailler sur les mêmes choses. Et donc, le cloud aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Quand je dis le cloud, ce n'est pas forcément cette version de travailler ensemble, mais c'est l'option de mettre quelque chose à disposition dans un endroit qui est supposé safe et protégé par une entité dont on fait confiance et dont on est certain que cette entité ne va pas, d'une certaine façon, accéder à nos données pour faire n'importe quelle chose dont on pourrait imaginer, bien évidemment. Ce n'est pas ça le but de la vidéo. Donc, si on décentralise ça, quelle sera la version décentralisée de ce système? La version décentralisée, eh ben, c'est tout simplement le fait que on dit, au lieu que ce soit une entité centrale qui possède cette information, ces données-là, on va permettre à plusieurs personnes de mettre des infrastructures physiques comme leur ordinateur chez eux, par exemple, et installer un logiciel, le logiciel de la compagnie qui va émettre le service. Et ils vont donc pouvoir stocker ces informations chez eux. Les informations qui sont stockées chez eux sont cryptées et donc le propriétaire de cette information ne peut l'utiliser qu'en utilisant sa clé privée. C'est pour ça qu'on a besoin de blockchain pour cela. Et voilà une certaine façon de décentraliser cette industrie et de faire en sorte que plusieurs personnes, d'une certaine façon, peuvent participer et se répartir les gains qui sont gérés par une seule entité ou même par quelques entités comme les GAFA, donc Google, Alibaba, Amazon, ainsi de suite. OK. Donc, là, c'est une solution qui pourrait marcher. Mais le problème avec cette solution est que quand tu vas avoir une donnée, cette donnée ne peut pas forcément être disponible partout, à tout moment. Si tu envoies une donnée, par exemple, sur la blockchain, il y a ce qu'on va appeler les nœuds. Les nœuds sont dans une certaine localisation et certains blockchains ou bien certains systèmes de stockage de fichiers ont ce qu'on appelle le gossiping. Donc, on va propager l'information au fur et à mesure. Et donc, si ces données doivent être disponibles, par exemple, tu es au Canada, ces données doivent être disponibles en Chine, ça peut avoir il peut avoir un certain temps. Et parfois, même dans certaines plateformes avec le IPFS, il faudrait payer pour réappliquer ces données rapidement dans plusieurs endroits
et ce qui n'est toujours pas une solution qui est intéressante. Et donc, ça c'est une des conséquences. Une autre chose aussi, c'est que parfois ces infrastructures physiques ne sont pas à la merci, ne sont pas à la portée de tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir un ordinateur chez lui et qui va peut-être brûler de l'énergie chaque jour pour pouvoir récupérer une certaine fraction de ce que le système va lui donner. Ça fait en sorte que ça peut être d'une certaine façon sur le long terme coûteux et d'une certaine façon encore centralisé parce que ce seront uniquement quelques personnes qui peuvent participer à cette industrie parce qu'ils vont avoir des gros ordinateurs chez eux, ils vont avoir encore la même chose qu'on ne voulait pas avec Google qui va avoir une tonne de machines pour stocker les informations, mais ces quelques nœuds-là ou bien ces quelques validateurs, ces quelques personnes. Plus la taille des fichiers augmente, plus on aura besoin de personnes pour stocker cela et ça peut être effectivement des mêmes personnes. Et ce qui refait encore la centralisation dans quelque chose qu'on voudrait décentraliser. Et donc, on peut se poser la question, mais est-ce qu'on peut réellement arriver à la décentralisation en explorant ce que je viens de dire tantôt? Est-ce qu'on peut réellement arriver à une décentralisation? C'est encore ça le gros challenge aujourd'hui. Donc, je ne vais pas aller dans cette question, je vais répondre à cette question dans une autre vidéo, bien évidemment. Mais je vais vous montrer uniquement au niveau des Decentralized Physical Infrastructure comment ça peut être une limite et comment ça peut être encore centralisé. Et à un certain moment donné même, ça peut ne plus être rentable. Prenons, quelqu'un a pris l'exemple du cloud de Google Maps décentralisé, par exemple. On prend Google Maps, on fait en sorte que plusieurs personnes filment chez lui et il envoie les données à Google Maps, par exemple, et tout le monde peut contribuer et participer à ce système, bien évidemment. Et donc, supposons que ces personnes-là le fassent, qu'ils prennent leur téléphone et qu'ils envoient ainsi de suite, ok. Premièrement, on n'est pas sûr de la qualité des images qui seront envoyées parce que tout le monde n'a pas les mêmes qualités de téléphone. Tout le monde n'a pas l'accessibilité à Internet. Tout le monde n'a pas le même niveau de débit pour envoyer l'information. Et donc, dans des zones, dans des secteurs un peu reculés, bien évidemment, bah, ce ne serait pas intéressant de dire à 1000 personnes de filmer parce qu'ils pourraient effectivement, parmi ces 1000 personnes-là, ne même pas avoir quelqu'un qui a une bonne résolution, premièrement, une bonne qualité de téléphone, et deuxièmement, envoyer une grande tonne de données, une grande quantité de données sur les serveurs de Google qui peut être parfois des gigas. Et oui, vous comprenez bien, des gigas. Parfois, une photo que Google prend sous forme 3D où on va roter la caméra comme ça pour prendre toute une zone. Ce genre d'image à haute résolution où on peut zoomer, 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 zoomer jusqu'à arriver à des entités beaucoup plus petites. Ce genre d'image requiert des appareils bien évidemment sophistiqués. Donc, pour que Google puisse effectivement être rentable sur ce business model, il faudrait que chacun qui participe au système ait ce type d'appareil photo, ce qui n'est donc pas accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que ça va encore être centralisé. Donc, il est plus intéressant pour Google d'envoyer ces personnes sur place dans des endroits pour filmer parce qu'ils sont déjà sûrs de la qualité des images qu'ils auront et ils n'ont pas de problème de connectivité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là encore, on voit que les infrastructures physiques décentralisées, ça peut se bloquer. J'ai vu une application internet sur le fait de vouloir décentraliser le Wi-Fi décentralisé. De telle sorte que tu télécharges une application, tu te connectes à un routeur et tu peux accéder à la connexion de ton fournisseur local. Et avec cette connexion de ton fournisseur local, tu peux maintenant repartager le Wi-Fi à côté de toi et ça peut se propager ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là encore, ça pose un certain problème. Il faut premièrement acheter l'équipement parce que c'est pas n'importe quel équipement. C'est l'entreprise qui fournit l'équipement. Ça veut dire que une personne qui a un routeur classique ne peut pas participer. Il a besoin d'acheter un routeur spécifique pour pouvoir participer. Et ce routeur-là, c'est créé par qui? Par une entreprise derrière qui est centralisée, qui a mis un certain nombre de choses, bien évidemment, pour faire en sorte que le système marche. Donc, on parle de décentralisation des infrastructures physiques, mais en réalité, ce sont ces infrastructures physiques-là qui nécessitent une certaine capacité, un certain nombre de caractéristiques, et ces infrastructures physiques-là sont fournies encore par des personnes tierces, et ces personnes tierces-là, effectivement, sont des entreprises qui peuvent effectivement contrôler ces devises-là ou bien ces appareils-là, quand bien ils ont mis cela à disposition.
Et donc, ils peuvent censurer votre routeur. Ils peuvent faire en sorte que certaines personnes dans certaines zones puissent ne pas véhiculer les informations, puissent ne pas accéder à l'information parce que c'est leur routeur, ils peuvent censurer un certain nombre de choses. Et donc, ça soulève encore la question, est-ce qu'on peut réellement parler des infrastructures physiques décentralisées? Est-ce que la décentralisation est forcément la solution à tout? Parce que on voit un peu de tout de partout. La décentralisation, c'est ce qui va sauver, c'est ce qui va nous sauver. Les dépings, les dépings, les dépings, les dépings, les dépings. Les dépings, c'est bien. Mais ce genre de système, comme les systèmes comme Airbnb, dont je ne vais pas bien évidemment m'attarder dans cette vidéo, mais ce genre de système, toujours, ça profite à une poignée de personnes. Ça profite à un certain nombre de personnes qui ont quand même les ressources financières. Et ça peut décentraliser à un certain niveau. Ça ne peut pas décentraliser à un niveau beaucoup tout bas où ça peut être accessible à tout le monde. Ce qui n'est pas forcément possible, ce qui est bien évidemment impossible et parfois même pas profitable pour ces personnes-là, ou bien pourrait amener au fait que les solutions qui sont proposées deviennent tellement chères parce qu'il faut payer tout le monde qui participe au système. Comme par exemple le Google Cloud, si tout le monde participe et que tout le monde stocke les données, il faudrait qu'on paye sur tout le monde là. Et si à un certain moment donné, il n'y a plus des personnes qui utilisent le système, bah, à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour payer toutes ces personnes qui participent? Ils vont bien évidemment débrancher. Et c'est pour ça que certaines entreprises sont en perte à un moment donné et elles sont en profit à un moment donné. Parce qu'elles savent qu'avec leur profit, elles peuvent économiser pour les périodes où ça ne va pas bien se passer. Quand Facebook perd de l'argent, d'une certaine façon, il y a plein d'entreprises qui sont en perte pendant un certain moment, une bonne période. Et parfois, il y a des années où certaines entreprises sont carrément à perte. Si c'est décentralisé, combien de personnes vont continuer à mettre leur énergie, leur électricité, leur infrastructure, en sachant qu'ils seront en perte? Plusieurs personnes vont débrancher les appareils et quelques personnes vont pouvoir continuer et centraliser encore le système, bien évidemment. Du coup, la décentralisation, c'est vrai, c'est un concept qui peut révolutionner beaucoup de choses, mais cela a beaucoup, beaucoup de limites dans la pratique. Est-ce qu'on peut décentraliser tout? Ma réponse, c'est tout simplement non. Donc, ces projets qui promotent qui font de la promotion des dépings, où on parle de dépings par-ci, par-là, voyez toujours à quel niveau ces projets-là peuvent se heurter, se buter. Quels sont les problèmes que ces problèmes peuvent, que ces entreprises, que ces solutions peuvent rencontrer et quelles sont les limitations que peuvent rencontrer effectivement ces solutions-là. Et comment est-ce que ces solutions-là vont effectivement tacler ce problème de limitation dû à des facteurs que eux, effectivement, ils ne peuvent pas contrôler, bien évidemment. C'est la même chose avec les nodes aujourd'hui dont on est en train de parler partout. On veut créer des blockchains, vous pouvez créer un node facilement, mais les nodes encore, c'est centralisé. Pourquoi? Parce que, effectivement, les nodes, la majorité des nodes, ça sera hébergé chez des fournisseurs, chez des hébergeurs. Et les hébergeurs, il y en a une poignée de par le monde entier. Et ces hébergeurs, si on les utilise pour faire les nodes, alors un hébergeur a 5 nodes, 10 nodes, 10 personnes qui viennent faire les nodes chez lui, 20 personnes, 15, 100 personnes qui viennent faire les nodes chez lui. Alors il y a déjà beaucoup de centralisation chez cet hébergeur-là. Et donc, on a un seul point qui héberge plusieurs solutions, plusieurs services, plusieurs blockchains. Et c'est justement un point d'échec. Parce que si ce nœud-là meurt et que, bah, effectivement, il n'y a pas de moyen de récupérer, bien de décentraliser ou bien de propager rapidement cette information, effectivement, s'il y en a peu, ce n'est pas bon. Effectivement. Et donc, comme il y en a peu d'hébergeurs de par le monde entier et que les nodes majoritairement cherchent chez les hébergeurs, on n'est pas dans des solutions centralisées, bien dans des solutions décentralisées, bien évidemment. Et c'est là encore, ça naît d'un débat que j'ai eu récemment avec quelqu'un à la conférence où j'étais. Il me dit, à quoi sert la décentralisation, la blockchain, si chacun n'a pas son propre nœud? C'était ça le but de la blockchain d'une certaine façon. Mais est-ce que tout le monde peut effectivement avoir un propre nœud? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non, bien évidemment. Donc, les gars, faites très attention. On va utiliser des mots pour vous narguer, mais soyez toujours conscients de ces petits détails-là, de ces petits éléments-là, de ces petits facteurs qui peuvent varier, qui peuvent fluctuer d'une personne à une autre, d'une entreprise à une autre, d'un service à un autre, parce que c'est là où ça peut faire
totalement la différence. C'était Elvis Kondio. Like et partage cette vidéo, permet à d'autres personnes de nous découvrir. Si tu veux des formations, il y en a en description de cette vidéo. Ça va te permettre d'apprendre, de grandir dans cet écosystème et effectivement d'être un crypto éduqué. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao!